Bon alors, on les prépare ces vacances? Bah on est là pour ça. Alors, j'avais pensé à la vacances. Ouais. C'est chaud. C'est ça. J'ai regardé, il faudrait compter minimum 300 euros de frais de transport par personne. Bon ça me va, hein, je demande à mon père. 300 euros mais la Corse c'est pas trop surfait? Surfait mais c'est magnifique la Corse. T'es fou, toi, c'est exceptionnel la Corse. Moi la Corse je peux pas, financièrement je peux pas. Si je veux esquiver les frais d'avion là, il faut que je parte en kayak maintenant. Pourquoi tu fais pas ton truc là, projet sac à dos, ton truc de pauvre là? Bah ben, c'est une bonne idée ça non? Alors déjà, je l'ai fait 3 fois, puis je suis trop vieux. Alors, si vous voulez partir en Corse, eh ben faites-le sans moi. Hein. Non, mais c'est bon, ça va, c'est bon. On peut partir moins loin, t'inquiète. Puis, ce qu'on veut avant tout, c'est être ensemble. Ouais. C'est ce que je pense. Je pense que l'amitié, là, c'est une valeur. Oui, non, mais ça t'embête pas. Ça. Bon, par où? La Creuse, c'est pas surfait. Bon, commence pas. Ça va, on peut partir en Vendée. Voilà, tu vas en voiture, c'est pas cher. Il y a l'océan, on peut même surfer. On va kiffer, hein. Mais attends, il fait pas froid là-bas? Bah, c'est sûr que c'est pas la Corse, mais à un moment donné, il faut trouver un compromis. Ok. Alors, il y a une villa sur le Bon Coin, pour 4 jours, ça ferait 85 euros par personne. Ah, c'est sûr, à ce prix-là, il n'y a pas l'électricité. Hein. Mais pas moins cher? Non, bah, tu sais quoi? On a qu'à aller faire du camping à Melun, et puis on pêche dans la Seine, on s'en paiera pas la bouffe, hein. C'est très marrant ça. Non, mais ouais. Ça va, on rigole. C'est-à-dire que niveau budget, on peut pas faire moins cher. On va faire sauter le PEL, c'est parti. Bah, tu vois quand tu veux. Wow, le réveil m'a piqué là. Bah alors il a dû piquer plus tôt parce que ça fait une heure qu'on t'attend. Ouais ça va, on est dans les temps, puis t'es pas le dernier. Bah il manque personne hein. Bah si, il manque Thomas. Il rigole. Attends, je crois qu'il rigole pas là. Si, rigole. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Attends mais, Thomas, le mec de l'UT? Oui, Thomas. Il est archi lourd. Il est pas lourd, ok, non. Il est gentil. Attends mais moi je pars pas avec ce mec hein. Moi, moi je tiens pas 2 minutes, c'est soit je me tue, soit je le tue lui. Je pars pas avec ce bouffon de première zone, je pars pas avec ce mec. Écoute Audrey, il est gentil, ok? Et puis à 4, ça coûte moins cher. C'est vrai qu'il a un bon fond quand même. Putain, si merde les vacances. Oh ben chut, il arrive. Salut les copains, salut là, salut la famille, ça va ou quoi? Ça va, ah, on va passer de bonnes vacances, ça fait plaisir. Salut Thomas. Ça va, vous allez bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu vas bien? Ah mon pote, putain. Bon, on va passer de bonnes vacances, ça fait plaisir de vous voir. C'est bon, on peut partir? Ouais, j'ai mis les GPS. Les allez, c'est parfait. Alors, on en a pour 7h30 de route. Attends. T'as pas mis l'autoroute? Bah non, c'est moins cher. C'est moins cher, mais c'est trop long. Comme ma bite. Tu vois, il est marrant. Bon, vas-y, allez, mets les autoroutes parce qu'on n'a pas la radio. Ah, moi je peux faire la radio, hein, y'a pas de problème. Hein. Radio vacances, ouais. Radio vacances, ouais. Radio vacances. Excellent. Allez, on y va. Eh, je faisais ça, le Cap d'Agde. Attends, c'est bon. 5 heures de route là, c'est bon. Non, ça va, mon Guigui, oh, faire la gueule, on vient d'arriver, mon pote. Ouais. D'ailleurs, on aurait pu juste faire les courses en arrivant, mais bon. Ça va aller bien chez le truc nécessaire. Non, on mange quoi ce midi? Tu vas la gueule nous faire la bouffe, l'autre là. Par contre, y'a qu'une chambre, elle avait pas dit c'est un couchage? Bah attends, c'est peut-être des canapés, lit. Mais t'inquiète, eh. Y'aura toujours de la place pour toi dans mon lit, bébé. Non, mais attends, pourquoi c'est toi qui aurais le lit? Bah oui, pourquoi toi t'aurais le lit? Bah, eh, pourquoi moi je paye 185 euros et lui 70, on m'explique? Ouais, garde la chambre. Ouais, c'est... Bah attends, je vais pas dormir entre deux mecs. Ouais. On connaît ta réputation, c'est pas ce qui te gêne le plus. Ça va, t'es lourd là, t'es c'est bon. D'ailleurs, un petit problème sur les courses. Pourquoi? Attends, on a fait les courses avec le budget commun. Ouais. D'accord. Hein, d'accord. Et pourquoi il y a des tampons et des serviettes hygiéniques là? Bah parce que je sais pas, on en a besoin. Ah ouais, on en a besoin. Alors petit sondage là ici. Qui a ses règles? Ça dépend, combien de centimètres? Non, ferme ta gueule. Ouais, ça va, on se calme, c'est bon. Au pire, il va faire le petit déj demain, voilà. Bon, on mange quoi ce midi? Bah, des tampons. Voilà, c'est très bon, c'est excellent, c'est un bon petit goût, c'est nickel. Ça te fait rire? C'est très bon. Ok, pardon. Allez, reste au midi, ça va? Ouais, reste. Je vais prendre l'entrée à 8 euros et puis après quoi? Bah, t'as qu'à aller refaire les courses si t'es pas content, ça y est, stop. Mais avec quel argent? Hein? Parce que quand on a des parents blindés, la vie elle est facile. Comme ta hein mère. Comme ta mère. Ah, je suis blessé! Je suis blessé! Tu vas te calmer, hein? Fais chier aussi, même. Ok! Bon. Ma carte bancaire, le code c'est 2559. Tu prends ce que tu veux pour midi et puis l'affaire est réglée, voilà. Okay. Je prends quoi? Tu veux des glosses et des loups de pain, hein? C'est incroyable ce que t'es pas drôle. J'aurais aimé. Bon, ça va, t'es lourd, hein. C'est bon, Thomas. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'ai besoin d'être seul. Et m'attendez pas, je sais pas quand je reviens. On t'attend pas. Et bah, ça commence bien les vacances. Allez, contre nous. Non, piège. T'es niqué. Dommage. Dommage, allez, piège. Bon, il est où ton pote là, le relou? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mais je sais pas, ça fait une heure que j'essaie de l'appeler, il répond pas. Non, non. Mais non. Mais regardez sa story snap. Attends, mais c'est pas Biarritz là? Qu'est-ce qu'il fout là-bas lui? Putain, mais je croyais qu'il avait pas d'oseille. Mais t'as rendu ta carte bleue?
tout cas, il va pouvoir s'en acheter des tampons.